tout le monde, c'est testeur de jeux pas cool. Aujourd'hui, nous sommes sur FIFA 12 pour les meilleurs moments d'un match que j'ai fait, Afrique du Sud contre la Pologne. Je vous laisse regarder ça, hein, tout de suite. Au revoir. Le coup d'envoi est lancé par l'Afrique du Sud. La première mi-temps a démarré. Que des passes pour le moment. Et maintenant, à la 4e minute, la Pologne attaque avec Lewandowski qui passe le défenseur sud-africain qui tire mais ne trouve pas le chemin des filets pour le moment. À la 15e minute, encore une attaque polonaise avec Błażejkowski qui passe ah non, qui se fait prendre la balle, qui va réussir à passer l'Africain et qui ne le passe pas. L'Afrique a repris la balle. Encore une offensive polonaise à la 20e minute. Błażejkowski qui passe tous les défenseurs, qui tire, mais ne gagne pas son duel contre le gardien. Maintenant, à la 45e minute, attention, le numéro 9 africain a marqué. C'était exceptionnel. Ils prennent la balle aux Polonais et ils tirent juste juste. C'était vraiment beaucoup de chance. Maintenant, la Pologne perd 1-0. L'Afrique du Sud a eu le temps de marquer ce petit but à la fin de la première mi-temps. Fin de la première mi-temps. 1-0. La 45e minute, là aussi on peut le voir, 1-0. La seconde mi-temps a démarré, la Pologne commence. À la 62e minute, la Pologne. À la 52e minute, je voulais dire, la Pologne essaie de se démarquer. Et là, elle est reprise par les défenseurs. Qui la met au corner. Attention, un corner polonais qui n'a servi à rien. S'ensuit d'un contre de joueur numéro 9 qui venait de marquer et revient en arrière pour faire une passe en profondeur. Pas de hors-jeu au numéro 2 qui ensuite se prend un tacle. Puis il y a un penalty, aucun carton normalement. C'est le numéro 9 qui va le tirer, attention. Il tire à droite, à la gauche du gardien et à sa droite à la 70e minute, il a marqué. Ce qui fait 2-0 pour l'Afrique du Sud et puis 0 pour la Pologne. L'Afrique du Sud qui gagne avec ses deux buts bêtement par les Polonais. Deux fautes de la Pologne. Attention, Lewandowski qui va essayer, qui tire sur le gardien, qui la repousse au corner. Attention, ça va tirer par. Eh ben non, les Polonais qui n'ont pas réussi à marquer. À la 83e minute, Tchabalala qui va faire une passe au numéro 9 qui va marquer comme ça. À la 82e minute. Un triplé pour ce joueur numéro 9 qui fera gagner l'Afrique du Sud. La Pologne qui perd de 3 buts, ça va être dur de revenir au score, mais sinon c'est possible en 5 minutes, c'est très dur mais possible, en centre raté des Polonais. Et c'est fini, le match est terminé, l'Afrique du Sud a gagné 3-0.